C'était un camarade, c'était par conséquent un ami. C'est une détresse qui est due à la précarité qui fait que cet étudiant, comme une grande majorité d'étudiants et d'étudiantes en France, survivent, ça c'est un terme qu'il a utilisé aujourd'hui, sont dans la survie et sont dans des situations qui sont souvent extrêmement déplorables, que ce soit du point de vue du logement, de la nourriture, de l'aspect financier, etc. Cette question de précarité financière, en fait, il faut y apporter une solution parce que c'est ce qui a mené à son acte désespéré et c'est ce qui mène, en fait, tout simplement à un mode de vie complètement désastreux des étudiants et des étudiantes aujourd'hui en France, quoi.